Europe 1, Thomas Hill avec vos invités ce matin, Josiane Balasko et Armel. Et alors Josiane, Armel, vous revenez sur scène avec la pièce Un chalet à Hagstatt, où vous interprétez de riches exilés fiscaux. Eh bien, notre invité inattendu ce matin s'appelle Gonzague Sainte-Croix de la Faisanderie. Et c'est un voisin, il vient tout droit de Hagstatt, hein, pour vous dire un petit mot. Bonjour Gonzague. Ouais, non, excusez-moi, c'est mon hélico qui vient de me déposer. J'en ai pas pour longtemps. Allez donc chercher une baguette pour ce midi. Merci mon cher ami. Bonjour. Ouais, bonjour Gonzague. Dis donc, c'est pas très écolo quand même d'aller chercher le pain en hélico. Et quoi? Alors bon, mon cher ami, comment voulez-vous que j'y aille? Bah, comme tout le monde, à pied en fait. À pied, mais... mais que vous êtes drôle. Nous achetons le pain chaque matin chez un artisan boulanger d'Arcachon. Sa baguette est divine, à se taper le popotin sur notre parquet en pointe de Hongrie. C'est divin. Ah oui, je comprends, ouais. Alors, vous avez beaucoup aimé, paraît-il, la pièce écrite par Josiane Balasko. Ah oui, alors écoutez, ça fait un bien fou. C'est un bonbon. On a ri, mais on a ri. J'ai emmené Marie Chantal et nos trois petites têtes blondes, Ève, Marie, Françoise. Ah, elles ont de jolis prénoms. Ah non, mais ça c'est seulement mon aîné. Non, écoutez, écoutez, quelle rigolade. Je vous avoue que j'étais un peu à cran, je venais de payer mon troisième tiers, ça m'a détendu mieux qu'un exo. Vous savez, on a tous besoin de troubadours pour nous changer les idées. Et puis, merci parce que grâce à vous, j'ai échappé aux 10% de pénalité. Comment ça? Ben oui, en voyant l'affiche un chalet à Hagstatt, je me suis rappelé qu'il me restait 24 heures pour payer ma taxe d'habitation. Oui, parce que j'en ai un à Hagstatt. D'ailleurs, Thomas, il est où votre chalet à Hagstatt? Je vous vois jamais. En haut du village, en bas du village? Ah non, vous savez Gonzague, on joue pas dans la même cour. Hein. Non, c'est beaucoup trop cher pour moi. Trop cher, non mais tout de suite, les grands mots. Écoutez, moi, je peux vous trouver un petit boui-boui à 5000 euros sans problème. Ah ouais, 5000 euros la semaine, si on est plusieurs. Non, 5000 euros la nuit, Thomas. Vous êtes troubadour aussi? Non mais vous savez, les temps sont durs en ce moment. Si les temps sont durs, dans ce cas-là, le temps de vous refaire, je vous propose d'aller à Courche. Alors, même si ma voix, c'est devenu très vulgaire. Vous avez entendu la nouvelle, la rumeur? Qu'est-ce qui se passe? Il paraîtrait, écoutez bien, que maintenant, on y croise des patrons de PME. Oh, Jésus-Marie-Joseph, rien qu'à l'idée de me retrouver sur un télésiège avec Michel Flambard, fabricant de fenêtres en PVC, je préfère ouvrir le garde-corps et me jeter dans le vide. Et alors, donc, il est comment, votre chalet à Hagstatt? Oh, écoutez, c'est sans chichi, on est à la bonne franquette, on a que 1500 mètres carrés sur 5 niveaux, les pauvres gamins n'ont qu'un étage chacun, c'est pas facile, on se sert la Roro, la Rolex. Hein. On se sert la Rolex, ouais. Ouais. Et alors vous skiez un peu? Ah non, alors moi le ski, j'ai complètement arrêté, je prenais des cours à l'ESF, mais ça me rappelait trop l'ISF, ça me donnait un cata, pas possible. Par contre, Marie Chantal, depuis qu'elle a rencontré Martin, un jeune moniteur fort sympathique, elle s'est découverte une passion pour le ski incroyable. Tu m'étonnes. Mais oui, l'autre jour elle a pris la journée complète, bien figurez-vous qu'ils ont skier jusqu'au petit matin. Vous êtes sûr qu'ils ont skié? Bah oui, une vraie passionnée, Marie Chanchon. Pour vous dire, elle est rentrée à 6 du mat et elle marchait en chasse-neige tellement elle avait skié. Ah oui. Alors, sans vouloir être désagréable, je pense qu'ils n'ont pas fait que du ski. Non mais, vous rigolez, vous voulez dire que... Ah bah... Non mais Seigneur Marie-Joseph, vous voulez dire... Il lui a fait faire du snowboard? Non, je pense pas. Ce sport de tous les diables, à bon sang. Alors attendez, mon hélico, mon pain arrive. Écoutez, je vais passer un savon à Marie Chanchon. Joséphine. Joséphine, oui, ça c'est ma belle-mère. Non, je disais Josiane, Armel, continuez à brûler les planches et passez au chalet, il y aura toujours un étage pour vous. Allez, ciao. Merci Gonzague 5 points de la Faisanderie. Merci Pierre-Antoine Damcourt. Il est naïf, hein, ce Gonzague. Il est naïf. Il est mignon avec sa chanson. Il est mignon.